Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Assassin's Creed 4 Black Flag. Et aujourd'hui donc on va continuer notre aventure. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez une petite différence au niveau de la vidéo, parce que j'enregistre avec un logiciel différent. N'hésitez pas à me dire s'il y a une petite différence. Si c'est mieux, si c'est moins bien, si c'est moins pire. Mais ne prenez pas en compte la qualité médiocre de mon commentary. Parce que ça n'a rien à voir avec le logiciel de capture. Allez, on va direction la Havane. C'est ça? Oui. On va prendre des petits cigares. Des petits cigares à la Havane. On a toujours notre armure Maya qui est censée dévier approximativement les balles. Donc ça fait toujours sympathique avant la fin du jeu. On est dans un endroit où c'est tout hostile. Il y a un chat. Bonjour le chat. Il est tout blanc, dis donc. Les lames secrètes. Et on est prêt à agir, à assassiner. Mission annexe d'assassin. Pourquoi j'ai un contrat ici? Contrat d'assassin? Pourquoi j'ai un contrat? J'avais un contrat. Ah bon. Je suis dans une zone où je suis pas censé être là. Heureusement qu'on est la nuit. Heureusement qu'on est la nuit. Hop là. Ça permet à ce qu'il n'y ait pas trop de monde dans les rues. Non, je voulais monter sur l'échelle. Mais bon, c'est pas grave. Si tu le prends comme ça, on va pas se fâcher. Pas se fâcher, mon petit. Allez, on va chercher cette cible. Ah, il y avait un chat sur le toit. Ouais, ça va, ça va. Direct le mec, quoi. La flèche soporifique. Comment tu sais que c'est moi, que je suis un méchant, tout ça, tout ça? Laisser venir jusqu'ici. En el punto de mira. Oh. Merde. Ça se passe pas comme dirait, comme prévu, tu vois. Ça se passe pas de manière la plus discrète qui soit, mais bon, c'est pas grave. Oula, il y a les piafs qui sont arrivés tous en même temps. Voilà. La cible est censée être par là, la cible est ici. Tuez votre cible. J'ai le droit de tricher un peu. Hop là. Là. Foutre le bordel dans les rues. Voilà. C'est la manière la plus rapide. Nettoyage des rues. C'est toujours rigolo de voir ça. Et oui. On va essayer de se rembourser un peu quand même.
Est-ce qu'on a des munitions? J'en ai vu par là, voilà. Donc on va continuer notre, notre quête là, hein, puisque je sais plus pourquoi on avait cette mission, j'avais cette mission là. Je ne sais plus pourquoi du tout j'avais cette quête là, mais c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Hop hop hop. Allez. J'ai pas été remboursé en munitions avec aucun. J'ai des marchands. J'ai des marchands, ils vont m'aider. Munitions. Des ballons au maximum, des fléchettes soporifiques. Fléchettes de furie. Qu'est-ce qu'on a là? Des dagues à cordes. Voilà, des tenues. J'en ai encore des tenues que j'ai pas. Ouais. Les ensembles d'épées, j'en ai d'autres que j'en ai pas, mais elles sont absolument inutiles parce que je crois que j'ai les meilleures. Je suis pas sûr, tout comme les pistolets, il me semble que j'ai déjà les meilleurs. Enfin, les meilleurs que j'ai pu trouver. Allez, on va continuer donc cette mission, cette compagne, ouais, cette compagne principale, on va dire ça. On va dire c'est comme ça. Libérer les pirates. Pirates. Wow, qu'est-ce que tu m'agresses, toi? J'ai déjà assez souffert. Laisse-moi tranquille, d'accord? Il va se faire défoncer, le pirate, non? Voilà. Capitaine Kenway, juste à temps, je retourne à bord. C'est quand même très très pratique ces bombes. Pas un seul qui a des munitions. Non, c'est pas grave. C'est où qu'il faut aller? C'est sûrement là-haut. C'est sûrement là-haut qu'il faut aller. Merde, non. Bonjour, bonjour. Allez. Ah, capitaine Kenway. J'imagine que je suis le premier visage ami que tu vois depuis que t'es en ville. La Havane est en état d'alerte à cause de moi? Oui. Torres pense que quelqu'un s'est lancé à ses trousses. Il n'a pas tort. Oh, morbide cette chose. C'est vraiment ce que je crois? Ouais. Regarde. Grâce au son du gouverneur, on peut voir ce qu'il voit. C'est près de l'église? Mais ça en sûreté. Je te le confie. T'es fou. Je serai au bureau. Bonne chance. Mais il est fou. Il est fou, qu'est-ce qui lui donne ça? Non mais à personne tu dois donner un truc comme ça. À personne, jamais de la vie tu dois donner ça, à personne. Le problème c'est que je suis encore en zone rouge là. Ça fait que dès qu'il y a quelqu'un qui me voit, va direct me choper. Il dort. J'aurais plus cru que je l'avais tué, mais... est-ce qu'il faut que je monte?
Bonjour. Hop. On va essayer de monter dans l'église. Enfin, dans l'église où je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme monument, mais. Je crois-t-il qu'on va essayer de monter. Voilà. Merde. La Havane en plus c'est une des premières villes qu'on fait au début. Ouais. Alors là on n'est plus dans la zone. Je pense pas qu'il soit derrière. Soit il est tout devant. Voilà. Ah, mais ils avaient des choses sur eux. Ils avaient des choses sur eux. Bon, on oublie la discrétion. Alors, il faut que je fasse le tour du bâtiment, tout simplement. À moins qu'il soit tout en haut. Il y en avait un autre qui avait des munitions. Non. On peut pas passer par là, je suppose. Non. Donc on va faire gentiment le tour. Ouais, soit il est tout en haut. Ou alors il est peut-être dans les jardins. Il était derrière. Bon, c'est pas exactement ça que je voulais, mais je voulais pas me faire choper. D'accord, donc il est là. Il n'y a pas de souci. Avec ce comme ça, tout de suite, ça va mieux. Señor, disculpe, pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? Ya han enviado la mayoría de la flota. ¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? No, señor, pero es que... Bien. ¡Atención! Creo que va a morir, ¿eh? Oh putain, 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 putain. Ce qui manque le plus dans Assassin's Creed, c'est une touche pour se baisser ou un truc comme ça, quoi. Pour se mettre en mode sneak ou un truc comme ça, quoi. Ça me paraîtrait tellement logique dans un jeu comme ça, mais. Mais il n'y en a pas. C'est un truc que j'ai jamais compris. C'est vrai que pour moi, Assassin's Creed, c'est pas vraiment un jeu d'infiltration. C'est pas du tout un jeu d'infiltration. Même si on est censé être un assassin silencieux.
plus facile, beaucoup plus simple d'être bourrin que... D'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile d'être infiltration que de jouer un peu bourrin. Qu'est-ce qu'il y a? Y esta vez no vayáis a meter la pata. Tu vas pas leur tomber dessus. Il y a le flingue qui est tombé. Pas une petite grenade. Oh, cette pluie. Il vient tout casser. Chut. Pas de bruit. Page. On n'a pas le temps d'aller la chercher celle-là. Mais vous faites chier, hein. Objectif, ne prenez pas part au combat. Ça va être super dur. Je ne sais même pas par où attaquer. Peut-être par là. On était rentré là-dedans, je crois, furtivement. Je ne me souviens même plus. Mais sachant qu'on est recherché de partout, c'est un peu compliqué quand même de... Chaud, ça va pas être facile ça. Alors lui il a pas l'air de se retourner. S'il se retourne pas, on peut le tuer hein, facilement. C'est avec un peu de chance. Oh putain. Voilà, un peu de chance, il tombe dans l'eau. Avec un peu de chance forcée, il tombe dans l'eau. Non.
Il est là-haut, le mec. Merde. Il est de l'autre côté du bateau. On dirait qu'il est tellement proche. Ouais, vas-y, comment il peut me voir de là? Je vais le tuer lui parce que sinon il va m'embêter. Putain. Pas exactement ça que je voulais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Sans prendre part au combat, ça va être quand même un petit peu difficile de faire cette mission. Pas parce que je suis comme ça pour le voir. Voilà. Pour l'instant, ça se passe. Il n'y a rien par là, j'ai pas le temps de voir si. S'ils ont pas des petits trucs. Par contre, je sais pas où ils sont les deux qui sont sur la map là. Ils doivent être. Je sais pas. Je sais pas où ils sont. Je sais pas si le mec avec le fusil va pas me voir d'ailleurs. Chut. Fais un peu moins de bruit quand tu meurs. On va faire le tour comme ça. Là-bas, mais il me regarde en plus, cet enfoiré.
Buenas tardes, soldado. Tiens. Pas exactement ça que je voulais, mais... Ah putain, non, c'est pas ça, non plus que je voulais. En fait, t'as ton personnage, il court en mode fou. On va essayer de l'attirer un petit peu. Donc. Entendu ? Pas entendu. Espèce de sourd ! Non. Ah. Qu'est-ce qu'il y a trouvé encore ? Voilà, hop là. Donc là, on a nettoyé tous les tâches du dessus. Oui, c'est ça. Et là, on va faire la classique. On va faire la classique. Il est pas là, son super soldat là ? Il est pas là, son super soldat. Que les soldats classiques, hein, deux gros. Et lui. Ça va le faire. Ah, là, je vois qu'il y a un soldat un peu plus costaud. Balancer toutes les... Merde. D'accord, on peut pas... Ils peuvent pas subir, mais c'est pas grave. On va le laisser se démerder à tuer tout le monde. Nous, on va regarder ça en tant que spectateur. Voilà. C'est fini, Torres. C'est fini, Torres. Par l'enfer. C'était pas... On remet ça alors. Tu as l'air plus malin vu de près. Des gardes comme bouclier humain. Faut que j'y pense. Tu es sans doute sensible aux balles. Ou je ne suis pas sûr. D'accord. Le mec il est tire un coup de sarbacane, tu sais. Et si je me servais de mes pistolets ? Ça va, t'es content ? Regarde, hop hop hop, j'ai le temps de recharger, j'ai le temps de recharger, tu vas pas m'avoir, tu vois ? Pas assez rapide ! Pas assez rapide ! Bim ! C'est qui le meilleur tireur de l'Ouest ? Si tu avais la force de parler, mon ami. Tu serais curieux d'entendre le son de ta voix. Ah ben non. Jadis, tu m'as humilié. J'en ai tiré une grande leçon, et je me suis amélioré.
Sache, avant de rendre ton dernier souffle... Je me souvenais même plus de lui. ...que tu as aidé un bandit à devenir un guerrier. Quitte cette vie et trouve la paix. Dans le repos éternel. Il était pas tout habillé d'une armure avant de mourir. Non mais je vais les attaquer moi. Wow. Vas-y, recharge vite. Normalement, je l'ai fait son truc. Je l'ai fait son truc de deux boucliers humains. Je sais pas si ça comptait dans ma mission là. Mais d'accord. Hanzai! On va peut-être fuir quand même, hein. On tire à côté, quel mauvais. Allez, on se barre parce que... là. Je ne sais pas. Est-ce que je suis assez bien caché? On va fuir le secteur. On n'a pas tué Torres, mais on a tué son super soldat. Donc ça va, c'est pas non plus un coup pour rien. Voilà, ils m'ont perdu. Exactement comme ça que je voulais faire ça, mais vraiment. Ça fait mal. Non, c'est bon. Oh putain, il y a plein de soldats partout. Voilà. Hop, disparu. Pas censé avoir de l'eau dans le puits ? Non, même pas. Allez, viens voir. Viens voir s'il n'y a pas quelque chose dans le puits. Voilà.
Oh là là, comment il m'a vu. Comment il m'a vu. J'ai appris que Torres a quitté la ville. Qui as-tu traqué? Cette fiole portait son nom, mais contenait le sang de son second. Où est-il allé? Il est parti ce matin, vers l'ouest, le long de la côte. L'observatoire. Tu veux le suivre? Allez prévenir à Tabaï. On tient enfin notre homme. Il n'a pas utilisé son vrai sang. Est-ce que j'ai fait le premier? Non, du coup, j'ai pas fait le premier. D'accord, il fallait seulement faire ça dans le combat contre le gars, quoi. Ok. Bon, en tout cas, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Alors que c'est toi qui détiens le trésor. Torres ignore que je l'ai. Alors, pourquoi l'apporter et risquer qu'il s'en empare? Je veux qu'il sache qu'il est à moi, juste avant qu'il meure. C'est pas une preuve d'avarice, ça, mon petit? C'est pas terrible, ça, hein? Pour un assassin, c'est pas terrible, hein? Donc en tout cas, voilà, on s'arrête ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, même si c'est un petit peu trop tard maintenant, c'est bientôt la fin du jeu. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé l'épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à commenter. Ça me fera très très plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure sur Assassin's Creed 4 Black Flag. Allez, ciao.